Il y a 3-4 ans, de nuit on était payé 40% en plus de notre salaire. Ils nous ont demandé économiquement de faire un geste parce que l'entreprise n'allait pas bien financièrement. Donc on est descendu à 20%, c'était en gros à 200 euros brut. Mais avec une expertise comptable, on a appris que pendant qu'on nous enlevait 200 euros brut, les cadres ont été augmentés de 3,5%. Vous comprenez Je ne vois pas le, Allez, le, le, le fond là-dedans. On devait faire des, des économies et derrière on, on enrichit plus les autres. sur les petits salaires. Hein. Nous demandons aussi les coefficients qui soient respectés par rapport aux postes, parce qu'on prend des gens sur des postes de aide conducteur pour faire un travail de conducteur. Et des postes aussi de conducteur qui font des, des travails de préparateur. Ce toujours pas les mêmes coefficients, donc pas les mêmes salaires. Après, il n'y a pas que ça. C'est euh, la pénibilité dans, dans, dans le travail. On nous en demande de plus, on ne remplace pas les, les gens qui sont partis en retraite, les gens qui sont décédés, parce qu'il ne faut pas oublier, sur ces trois dernières années, nous avons trois décédés, il me semble. Donc euh, voilà, quoi, personne n'est remplacé. Quoi. On nous a proposé une prime de 750 euros brut, qui au final euh, c'est juste pour en fait couvrir notre, euh, notre semaine de grève. Au final, si on reprend le boulot, on n'en a servi à rien. Mais ce qui est encore plus lamentable là-dedans, c'est qu'ils proposent aussi 250 euros pour ceux qui n'ont pas fait grève, c'est-à-dire les cadres. Donc euh, nous, on aurait fait ça au final pour un et en même temps, euh, les cadres vont encore prendre 250 euros. Pour l'instant, la porte est fermée, nous restons positifs. Nous cherchons à récupérer de l'argent qu'on nous a pris pour donner aux uns et pas aux autres.